Notre choix cette année en CP est de produire des podcasts faisant intervenir l'oral pour apprendre. Il s'agit pour la classe de construire la leçon orale. L'enregistrement produit peut être en lien avec les apprentissages dans tous les domaines. Et l'enregistrement permet de garder en mémoire tous les exemples donnés par la classe. Les élèves ont rapidement conscience qu'il s'agit d'une situation de communication réelle. C'est pourquoi ils acceptent plus facilement de corriger leurs propos ou de se reprendre pour mieux parler ou mieux prononcer. Pour l'enseignant, les enregistrements permettent de repérer plus facilement ce qui fait obstacle, mais aussi les points d'appui, afin d'avoir une évaluation plus juste et plus précise. Les apprentissages sont clairement expliqués aux élèves. En effet, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'adhésion des élèves au projet d'activité, mais il s'agit que les élèves soient conscients des objectifs qui sont travaillés tout au long du projet. Le dictaphone est un outil numérique simple au service des apprentissages. Très vite, les élèves peuvent l'utiliser en autonomie et grâce au dictaphone, peu à peu, l'enseignant s'efface pour devenir un guide qui relance les interactions entre les élèves. Le professeur doit maintenant élaborer un podcast audio à partir des enregistrements des élèves et un QR code associé. Au lycée Yersin en 2015-2016, un groupe d'enseignants volontaires a mené une réflexion et un partage sur l'enseignement de la langue orale avec les outils numériques. Parallèlement, une formation aux outils a été proposée à la demande par les personnes ressources dans le numérique. Nous avons donc mis les QR codes sur notre leçon augmentée, mais vous les enfants, vous en avez déjà vu dans la vie de tous les jours, les QR codes, chez vous? Oui, Jeanne. Parle fort, Jeanne. Sur la boîte du vernis de maman. Et toi, Mathias? Moi, j'ai vu sur un paquet de jeux de lettres. Un paquet de jeux de lettres. La leçon avec les QR codes. Ça sert à me travailler. Ça sert à m'écouter. Écouter quoi? Écouter la leçon? Oui. Oui, mais papa et maman peuvent te la lire, la leçon. Mais mon papa et ma maman, c'est pas français. Ils ne parlent pas français? Oui. D'accord. Donc ça t'aide à écouter ce que l'on a dit en classe? Oui. Oui. On écoute? Vas-y, appuie. Aujourd'hui, c'est jeudi 1er septembre, c'est la rentrée. Aujourd'hui, j'ai apporté. Le QR code permet une mutualisation facile entre les classes. Le partage des QR codes entre les classes donne lieu à des séances d'écoute riches et construites. Cette mutualisation entre les classes enrichit forcément le partage de pratiques et la réflexion entre les enseignants. Avec un QR code inséré, la leçon prend une nouvelle dimension. Trace écrite, trace orale, certainement les deux en interaction. Avec la culture numérique à l'école, nous allons ainsi vers des productions plus riches, mêlant écrit, oral, visuel, productions collaboratives, partagées et enrichies. Alicia, à quoi ça sert la gomme? Ça sert à effacer le crayon de papier. La gomme, ça sert à gommer le crayon de papier. L'eau. À quoi ça sert le crayon de papier? C'est pour faire des dessins ou des lignes d'écriture. Je m'appelle Christian, je suis assise à côté de toi, l'homme. Alors, où elle est, toi, l'homme? Elle est à droite de moi. Derrière toi, c'est qui? C'est Mindy. Qui est devant toi? Devant moi, c'est Martine. Et qui est à gauche de toi? C'est Alexandre à gauche de moi. Gauche. Gauche. À gauche. À gauche. Bien. Très, très bien.
Où es-tu assis? Moi, je suis entre Tindan et Frédéric. Qui est assis devant toi? C'est l'ami qui est assis devant moi. Je m'appelle Tristan. Je suis assise à côté de toi, l'homme. Alors, où elle est, toi, l'homme? Elle est à droite de moi.